قلت قبل لحظات مسيو وحيد هناك أربع أو خمس منتخبات مرشحة للمنافسة على اللقب، من بينها المنتخب الوطني المغربي. نريد أن نعرف يعني أبرز المرشحين الذين سيتنافسون مع المنتخب المغربي خلال هذا النسخة، يعني ليس على ضوء تاريخ هذه المنتخبات ولكن على ضوء ما يقدمونه في هذه السنة، يعني أبرز المرشحين بالأسماء إن أمكن. Quand ils donnent nom et prénom, nom de certaines équipes, ça crée un petit peu. Il y a de bonnes équipes, vraiment de très bon niveau. 4-5 équipes, très bon niveau, avec les joueurs remarquables, exceptionnels, classe mondiale. Mais ça, c'est l'équipe avec Maroc qui peut être favori. Je ne veux pas prononcer vis-à-vis de ce que je veux, mais ça va créer celui-là. Vous savez, c'est un petit peu. Mais c'est une compétition très élevée. Très élevée. Il y a dizaines d'équipes. Je peux dire dizaines d'équipes qui peuvent être comme ça, qui peuvent avoir ambition pour aller jusqu'au bout. Après de Nuna comme ça, tout est possible. Ce petit détail qui peut changer complètement les choses. C'est une compétition, si tu n'es pas mentalement prêt, concentration aussi, si tu pointes ça, c'est difficile après attendre le succès de l'équipe. Il y a de bonnes équipes, je pense que vous imaginez quelles sont les équipes qui peuvent être favoris, c'est pas la peine que je répète. Je peux donner dizaines d'équipes, mais plus grand favori, vous connaissez moi, qui ont fait bon résultat, qui possèdent bon effectif, comme ça. Mais on est là aussi. On n'a pas dit dernier mot non plus. Voilà. Je m'excuse. Mais je pense que. Pardon? Il est là. Il est là, j'espère. Hein? Merci beaucoup, coach. Chokran jizan la hudur kalim, wa ila fursa qadima bihawlillah.